Hey, salut les gars. Ouais, lundi matin, 6h30. Arrête de faire clignoter ce truc. Ah, oh, il sent pas long. Non mais lui, God Warrior tout de suite. Effectivement, j'étais en train de prendre des notes pour une raison très simple. Ah, c'est un vieux tambouret, ça grince. J'ai oublié certaines dates très importantes pour l'ARC de ceux qui sont dans le coin où vont se passer les événements, bien sûr. Alors, Chuck RC m'a contacté il y a un moment pour me parler de l'association Drakkar, DRAK-KRC. Ils ont d'ailleurs leur propre site, je pense Facebook, une petite chaîne YouTube, sinon vous allez voir la chaîne de Chuck RC. Tout simplement, qui sont à Lecey, 50 000 dans la Manche, le 12 et 13 août, c'est-à-dire ce week-end qui arrive là. C'est pour ça que j'ai merdé, parce qu'il m'a donné ces informations déjà il y a 2-3 semaines, voire plus, et ensuite on est parti en congé. Heureusement, là, il m'a écrit pour me rappeler ça. Donc le 12 et 13 août, ils font un rassemblement RC, comme on a fait au Val d'Argent, 10 euros par pilote qui va à l'association pour continuer à faire évoluer ses infrastructures. Sur place, il y a de l'eau, de l'électricité, il y a des moyens de camping, il y a de quoi garer les camping-cars avec tout ce qu'il faut pour ceux qui veulent rester tout le week-end. Ils vont faire des formules repas entre 7 et 8 euros, donc complet. Ça, c'est super sympa. C'est un dixième, un huitième, un cinquième. Et accroche-toi bien, électro, nitro, deux temps. Et ouais, les fans de bruit pourront se lâcher un peu là-bas. Et il y a tout un espace crawler dédié aussi pour les fans de crawler. Donc, renseignez-vous. Je vais, si tout va bien, mettre le lien dans la vidéo pour que vous sachiez où c'est. Donc, je répète, c'est ce week-end qui vient, le 12 et 13 août, à Lecey, 5000 de la Manche. Ok ? Il y a un autre, puisqu'on a ici Drakkar et on a Viking Park. Tu vois, on reste dans le thème. V-Park RC 76, qui a sa propre chaîne RC, donc passez voir V-Park, V-P-A-R-K RC 76, qui sont à Rouen. Eux, ils organisent régulièrement des rassemblements, et tu trouves même des infos de ces rassemblements sur le Bon Coin. De temps en temps, ils passent des annonces sur le Bon Coin pour que vous puissiez tomber dessus, mais allez voir la chaîne V-Park RC 76, tout simplement. Normalement, les commentaires sont activés, donc vous pouvez lui poser la question. Si jamais aussi, il n'y a pas que des annonces sur les rassemblements de roulage qu'ils vont faire à Viking Park, à V-Park RC 76, il y a aussi de très bonnes occasions qui vendent, je ne sais pas si c'est de lui-même, l'organisateur du groupe, ou c'est des membres du groupe, mais il y a quelques occasions qui traînent qui sont franchement sympas. Et, très important, je vous avais déjà posé du RCBDS qui est sur, je ne sais plus où. Où est-ce que vous êtes, les gars du RCBDS? On va vous laisser répondre. C'est pas TRC75 qui s'est occupé de ça, donc a priori, ça doit être en 75. Hein? Normalement! On va partir de ce principe-là. Non, on avait déjà fait une vidéo, souvenez-vous, du RCBDS, on avait donné toutes les infos. Alors, il y a de retard. Ils pensaient avoir ouvert ce mois de juillet, mais figurez-vous que, une fois de plus, les écolos ont cassé les couilles. Ouais, les écolos, vous cassez les couilles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Allez faire chier une association qui fait des petites voitures électriques sous un pont d'autoroute, ça c'est faire chier les gens, parce que si tu veux faire chier quelqu'un, il faut arrêter l'autoroute en haut. Ah, tu peux pas parce que t'en as besoin pour aller bosser, il te faut l'autoroute 3 voies pour circuler avec ton gros SUV, avec ta clim, pour aller à ton boulot, hein, le bobo. Et bien forcément, ouais, ça coince. Donc, les écolos, on vous comprend plus. C'est évident qu'on va vous soutenir si vous êtes contre une mine à ciel ouvert. Mais si vous faites chier des gens pour le loisir sous un pont d'autoroute, quelque part, vous avez un grain. Et donc, l'ouverture sera retardée. Je rappelle qu'il y aura des pistes 1 10 TT, 1 8 TT, enfin 1 8, 1 5 je crois, ou 1 8, 1 10, enfin... Retournez voir la vidéo sur l'association RCBDS. On a balancé 2-3 vidéos avec des cinématiques qu'ils avaient fait du vol de drone par-dessus le projet et d'autres choses comme ça. Je vais mettre aussi sous la vidéo normalement le lien pour une pétition pour eux qu'il faudra remplir avant le 22 septembre. Ça vous prendra 2-3 minutes pour remplir cette pétition. Plus ils ont de signatures, plus, enfin moins ils auront de bâtons dans les roues, bien sûr. Des politico-extrémistes, n'est-ce pas?
Oui, politico, si tu veux faire quelque chose pour l'écologie, prends pas de clim, même pas chez toi à la maison. Reste en plein cagnard avec ta baraque, et démonte ta clim, démonte ton chauffage aussi. Promène-toi avec une feuille de vigne à la place d'un slip, et après on en reparlera de l'écologie. Et, très important aussi, le 19 et le 21 août, vous n'oubliez pas qu'il y a le rassemblement de crawlers spécialement à la Lutz. Donc si tu ne sais pas où c'est la Lutz, parce que je t'ai pas donné le code postal, tu écris LUTZ sur Google, Firefox ou quel que soit ton navigateur, tu trouveras. C'est près de Strasbourg, c'est très près de Promodélisme 67. À peu près à 10 ou 15 minutes de Promodélisme 67. C'est aussi à 10 ou 15 minutes du club MVHS 67, donc du circuit Bugatti. Donc vous avez aussi déjà vu plein d'images. Je serai là-bas, soit le 19, soit le 21. J'aimerais bien les deux, honnêtement, être les deux. Super cool aussi, c'est que si tout va bien, on aura avec nous RC Mode Aventure. Ça, ce serait top. Et donc ça là-bas, c'est uniquement crawler. Hein. Crawler, bon, chez nous en Europe, ça se fait en électro, charbon, brushless. Il y a, j'ai vu sur AliExpress des crawlers nitro. Ça, par contre, ça doit être vraiment chiant avec le raffut. Je vois pas trop le machin, parce que le moteur qui doit garder tout à cause de l'embrayage et tout. Bon, après, le frein automatique méca, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi. Je comprends la chose parce qu'il y aura un truc un peu plus réaliste que sur les crawlers électro. C'est que dans ton véhicule échelle 1, tu es sur tes freins, tu engages ta vitesse, tu lâches doucement ton embrayage, tu prends tes gaz, tu vois, cette chose-là. Elle sera peut-être plus réaliste avec ce truc nitro, mais niveau être sur place à côté avec le qui monte dans les tours parce que t'as une grosse démultiplication, je vois pas trop. Ça m'embête déjà quand les électros ils sifflent, quand ils ont des boîtes de vitesse qui sifflent ou autre. C'est pour ça que j'aime bien mon MOX parce qu'il est super silencieux et que j'ai le bruiteur, parce que le bruiteur n'a rien à voir avec un bruit casse-couille qui. Tu vois, t'as vraiment un beau petit son de V8, tu peux régler le volume. Et en plus, tu le fais pas tout le temps, tu peux l'éteindre quand t'as envie. Mais je vous cache pas que quand tu pars en forêt tout seul avec ton V8, sérieusement, tu pars à midi, tu rentres, il est 16h tout d'un coup, parce que t'es parti dans ton délire. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, on ne va pas parler que de ça, mais je vais vous faire donc un petit récapitulatif. L'association Dracar dans la Manche, elle le sait, le 12 et 15 août. Viking Park RC 76 qui est à Rouen, dont je vais partager aussi quelques vidéos. Il m'a envoyé des vidéos, je voulais faire une vidéo d'intro et ensuite raccrocher sa vidéo. Mais j'ai trop traîné, je me suis perdu dans le tout, entre faire ci, faire ça, les vacances. En fait, j'avais oublié que Gigi avait posé 2-3 semaines de congé, donc moi j'avais fait tout un programme. Et là, forcément, tu te retrouves. oups hein? Le RCBDS dans le 75, par là. Pourquoi je ne suis pas plus précis sur les infos? Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui savent et j'attends bien sûr que tous ces gens-là réagissent dans les commentaires, nous donnent toutes ces infos. Et la lutte, le 19 et 21 août pour la sortie crawler avec moi. Et comme je l'ai dit, RC Mode Aventure. Alors, parce qu'il est sur le coin, le 19 et 21 à Strasbourg. Et là, je lui ai posé la question, alors je te parle, je n'ai pas encore la réponse pour savoir s'il est là par hasard ou si effectivement, en fait, il a prévu d'aller à la lutte. Ce qui serait assez marrant. Et puis s'il n'a pas prévu d'y aller, je pense que comme il est sur Strasbourg, ça sera dur de l'empêcher d'arriver à la lutte, je pense, pour faire un peu de crawler. Si jamais tu viens sans véhicule, Martin, tu me préviens. J'ai le CR01 qui est démonté. Je vais le remonter avant le 19-21, comme ça, si tu n'as pas de machine à bord, parce que tu n'as pas prévu ou que tu ne peux pas transporter parce que tu es en vacances, je mets deux radios différentes sur le CR01 et le MOX et ben, on ira rouler là-bas. Il y aura peut-être encore le TRX KTM s'il n'est pas encore parti avec nous. Le petit Axial XC1 aussi. Sur place sera aussi Promodélisme 67, donc Philippe avec un stand, avec plein de crawlers. Donc je rappelle qu'il a les Enduro, donc les Chimasso, eux, ils font les Element, c'est ça, Element Enduro, Cross RC, Obitech, et encore 2-3 autres marques. Hein, donc il y a du choix. Donc si jamais tu arrives là-bas à poil, il y a toujours encore la solution d'en acheter un vite un sur place.
parce que c'est l'effet aussi des rassemblements, évidemment, c'est que tu es dans la meute, tu vois des véhicules qui roulent, t'as envie d'essayer, quelqu'un t'en prête un, tu essayes, et t'accroches, en plus t'es sur le terrain idéal, mais alors, je t'invite quand même à réfléchir 30 secondes avant d'acheter, c'est que dis-toi bien quand tu rentres, où est-ce que tu vas rouler. Très important. On a vu chez moi, autour de chez moi, il n'y a pas vraiment de spot de crawl, donc t'as envie d'en avoir, c'est rigolo de temps en temps, mais après, si chaque fois, faut... voilà, enfin, quand j'ai un peu... Après, c'est pas pareil, Mani. Chaque fois que t'as le temps, tu sors ton X-Max, tu triches. Allez, aujourd'hui, on va pas faire que ça. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu autre chose encore. Hop là, je te mets par là, d'accord? Ah, bouge pas, je te fais une petite mise à niveau. Humour, humour. Nous avons ici avec nous le Rival MT10, que j'ai acheté donc à Skies pour un prix... d'enfer, que j'ai équipé d'un moteur Obi-Wing 3660 3100 kV. On a pour l'instant à bord le Vario du crétin de 4S. Ce qui m'embête, c'est que ce Vario ne prend que 3 et 4. Il prend pas 2 en fait. Je t'assure, j'ai mis 2, il bip low voltage. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette connerie. Parce que le but c'était bien sûr qu'il puisse rouler en 2 cool et en 3 avec la gnaque. Mais c'est pas grave puisque j'ai bien sûr mis une radio programmable, réglable, bridable. Je te répète comment ça marche, tu n'allumes pas la voiture, tu allumes ta radio, tu mets gaz à fond et tu appuies ici sur reverse, moins. C'est reverse ou FWD, donc reverse ou forward. Pour reculer ou avancer, mais aussi un petit moins et un petit plus, parce que c'est pour la voie des gaz. Donc si tu appuies moins, tu vas brider tes gaz. Si tu appuies plus, là, tu es arrivé à fond. Tu fais ça avant d'allumer la machine, parce que si elle est allumée pendant que tu fais ça, elle est partie. Hein. Donc je t'invite, si tu veux brider, tu la mets à zéro, tu allumes ta caisse, tu roules, tu vas voir qu'elle avance quasi pas ou vraiment zéro. Et là, tu peux mettre gaz et t'appuies un petit peu dessus, une ou deux fois, pour la faire monter dans les tours tranquille et voir un petit peu ce que ça donne. Tu le fais les roues surélevées pour t'habituer à la caisse. Parce que je vais te filer avec un chargeur de 3S automatique, 1,2A en 2S et 1A, quelque chose comme ça en 3S. Et une lipo 3S qu'on a reçue de la fripouille. Elle n'est pas toute jeune, mais elle fait encore le travail. C'est celle qu'on avait là-dedans pour l'essai. Donc il faudra en gros 5 heures pour charger, tu ne peux pas te voir, il faudra patienter, elle arrivera pleine quand même, comme ça tu mets dedans et tu gazes, d'accord? L'engin là est poussiéreux et sale, puisque j'ai cherché une solution pour éviter à certains d'avoir la chiasse, la chiotasse. Déjà, j'ai pas de carreau renforcé avec, mais de la part de Yannick, nous avons une carreau de Rival MT10 V1 avec. Je vais en profiter pour vous montrer les différences de la carrosserie entre le V1 et le V2. Du coup, il n'y a pas que les couleurs qui fait que en fait, la plupart d'entre nous préfèrent le V2. C'est que la carreau est beaucoup plus angulaire. Ça lui donne un look un peu plus agressif que celle-là qui était un peu plus rondouillette. Même si je dis qu'ils n'ont pas fait un gros effort sur la carreau et qu'un petit peu mieux aurait été mieux. Et un petit arceau interne aurait été... mucho bien, mais comme il y a une coupe budgétaire, ils ont même supprimé les marche-pieds. Donc, on a trouvé une solution de règlement pour éviter justement certains d'avoir la coulante. C'est que, durant cette semaine, je te dis durant cette semaine, mais si j'ai envie de rouler, qu'il pleut et que je peux pas, ça sera la semaine d'après. Hein? Je préviens tout de suite. D'accord. Mais normalement, au courant de cette semaine, on fera des vidéos où apparaîtra le Rival MT10. Il vient de dire apparaître. Donc, ça ne sera pas dans le titre. Il a dit qu'il va rouler, mais apparaître. Peut-être que ce sera juste nouveau une de ces images à con en plein milieu d'une vidéo. Et ouais, t'as deviné. Peut-être que dans une vidéo atelier... tout d'un coup, le Rival MT10 va apparaître. Peut-être qu'il sera en train de rouler, alors que moi je suis dans l'atelier. Peut-être que je suis en train de rouler, il apparaîtra dans l'atelier. Tu sais pas, mais à un moment, il fera une apparition. Ça sera très bref. Résultat, tu vas être obligé de regarder toutes les vidéos toute la semaine. Oh, merde.
merde. Et oui, parce que tu te dis peut-être, je vais attendre dimanche soir, je vais regarder toutes les vidéos. Raté. Parce que c'est le jour où ça sort qu'il faudra jouer. Donc, si toi tu te pointes dimanche et que tu regardes la vidéo de lundi et que la vidéo s'est sortie, la vidéo de mardi, enfin de toute la semaine, tu remontes, ça sera trop tard. Tu auras dans le tululu. D'accord? Cet engin est en excellent état, il a à peine roulé. Il a un cerveau arma à bord 15 kg, pour rappel. Donc on a un cerveau plus balèze que ce qu'il y avait d'origine dans les MT-10. On a une radio à peu près équivalente qui est réglable aussi. On a un moteur plus balèze, on a un pignon un poil plus gros, ce machin. Il envoie comme un buggy 4S. C'est une brutasse! Donc si tu es débutant, vraiment, je t'invite absolument à brider la machine. De toute façon, nous verrons bien qui c'est qui gagne le véhicule. Je discuterai rapidement avec lui, si bien sûr il répond à temps. Puisque le tirage, c'est pareil. Tu loupes le tirage, tu ne m'envoies pas de mail pour dire que c'est moi qui ai gagné. Perdu aussi. Le but étant de récompenser les gens qui sont tout le temps là. Hein, qui vont dire, ouais, mais moi je suis en vacances. Bah ça va, t'es déjà en vacances. Tu n'as pas encore gratté la caisse d'un gars qui n'a pas pu partir en vacances et qui lui a le temps de regarder quand même. Et après, ce genre de réflexion me fait toujours marrer, puisque quand je vois tout le monde sur la plage et partout avec son téléphone... Excuse bidon. D'accord ? Et puis c'est un peu le hasard. C'est ce qui est funky à la chose. C'est le hasard. Et je rappelle surtout aussi que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19 véhicules à gagner. On est au milieu de l'année. Il reste 6 mois. Il y a déjà 19 véhicules. Ça fait 3 par mois, les gars. 3 véhicules par mois. Donc il y a un moment, tu vas réussir à trouver un créneau pour jouer et gagner. Et pourquoi je fais ça en plein milieu du mois d'août, quand les gens sont en vacances, qu'il y a moins de vues sur la chaîne, et puis il y a moins d'abonnés qui se passent? Parce que justement, il y en a qui sont là et qui n'ont pas pu partir et qui sont fidèles au poste. Tout simplement. Donc, je te répète, à un moment donné, normalement, commence par N, finit par T d'ailleurs, cette semaine, tu vas voir cette caisse roulée ou posée quelque part dans une vidéo, dans un titre, ou dans le titre, il n'y aura pas écrit que je roule la caisse. Et à ce moment-là, il faudra mettre un commentaire sur cette vidéo. D'accord? Je pourrais encore compliquer la chose pour te demander quels sont les modifs qui ont été faites. Là, tu vas devoir te taper encore vite de regarder la vidéo de présentation de la machine. C'est un message subliminal, fais-le! Va voir la vidéo d'unbox de la machine qu'on a reçue de Skies, parce que... dedans, je te cause des modifs. Va voir l'essai qu'on a déjà fait au Val d'Argent parce que je recause des modifs. Parce que si je te pose la question quand t'as gagné et tu sais pas répondre, là, tu vas pas être content et ça, c'est normal. Parce que c'est moi ! Et là, t'auras pas la réponse à la question. Et, tu vois ? Mais pourtant, les jeux à la radio, ça se passe de la même façon. T'as le kéké qui prend le téléphone, il appelle un autre kéké qui est pas au courant. Donc déjà, il est content parce qu'il a le téléphone de la station radio. Et là, on lui demande quelle était la couleur du slip de Clo-Clo quand il s'est suicidé. Moi, j'écoute NTM, aucune idée, je sais pas qui c'est Clo-Clo. Raté, t'as perdu. C'est le même principe ici. Donc, les kikis, je vous souhaite une belle journée. Moi, je me marre déjà pour cette semaine d'avance où vous allez vous précipiter à maintenir mes vidéos parce que ça, c'est un sacré petit lot. Je rappelle quand même que cette caisse neuve vaut à peu près 350-380 €. T'as un petit chargeur automatique avec, t'as une batterie avec. En gros, t'as un lot de 400 €, un peu plus. Et en plus, il est plus performant que le véhicule de série. Je peux te demander pour les huiles de diff, je peux te demander pour les huiles d'amorto, je peux te demander qu'est-ce qu'à la fin de l'essai, on a remarqué de différent entre le V1 et le V2 qui est un peu couillon. Par exemple. Je sais. Plus la vidéo passe, plus je te donne des détails. Parce que si tu es encore là en train d'écouter, tu mérites plus d'aide que celui qui a raccroché il y a 5 minutes. Salut les kikis.